Pour quelle occasion ce festival a-t-il été créé ? Alors, c'est un festival dédié aux enfants qui s'appelle Place aux Mômes. Donc voilà, on avait envie d'essayer d'inscrire un festival dans le paysage du Cotentin. Donc on a décidé avec la mairie, avec les parents d'élèves de l'école de Tonneville, avec tous les enseignants de Tonneville, de mettre en place un festival multiculturel uniquement dédié aux enfants. Qu'avez-vous prévu pour cette première édition ? Alors plein de choses. D'abord un concert. Il va y avoir un concert de Monsieur Ribouledingue en début d'après-midi dans le complexe sportif de Tonneville. Il va y avoir aussi un spectacle de magie et puis une quinzaine d'activités de jeux, des activités créatives, des activités manuelles, des activités scientifiques. Voilà, le but c'est de passer toute une après-midi. Ça commence à 13h30 grosso modo jusqu'à 19h et avec un pass on peut avoir accès à toutes les activités plus les deux spectacles. Pouvez-vous nous parler du jeu par rapport à l'âne dont on entend parler ? Alors effectivement, on a décidé, on trouvait ça rigolo pour une fête d'école de mettre un petit âne en mascotte. Donc on a décidé de mettre un âne et puis on a fait un petit jeu sur Facebook pour essayer de trouver un nom un peu original par rapport à cet âne-là qui avait une connotation un petit peu avec le festival. Donc les gens ont pas mal joué le jeu. Alors maintenant, il va falloir choisir le nom et puis on essaiera de trouver un moyen assez drôle de le faire découvrir aux gens le jour du festival. Où se déroulera le festival et quand ? Alors, le festival se déroulera le 24 septembre dans la commune de Tonneville, sur tout le site du centre de la commune, c'est-à-dire un site de 6 hectares fermé où il y a dedans la mairie. Donc, on investit la mairie, la cantine, l'école, la salle communale, le gymnase. Tout ça gentiment mis à disposition par la commune de Tonneville. Y a-t-il des horaires spécifiques ? Oui, le festival commence à 13h30. On invite vivement les gens à venir de bonne heure parce que le premier spectacle de Monsieur Ribouledingue commence à 14h15. Donc le temps de venir chercher les passes, de commencer à appréhender tranquillement le site. Voilà, donc premier spectacle 14h15. On a un deuxième spectacle aux alentours de 15h30. Et ensuite, le spectacle de magie vers 17h et 18h. Et puis tout au long de la journée, les activités. Quel est le tarif d'entrée ? Alors le pass est à 10€. Il donne accès à toutes les activités plus les deux spectacles pour un enfant et un seul parent accompagnateur. Et si le deuxième parent a envie d'accompagner ses enfants au spectacle de magie et du concert, il peut acheter un ticket spectacle au prix de 4€. Comment pouvons-nous vous contacter pour avoir plus d'informations ou réserver ? Alors réserver, on a un site internet qui s'appelle place-o-mom.com. Toutes les informations sont dessus. On peut nous envoyer un mail, on peut réserver. Et puis on a des points de vente, donc la mairie de Tonneville, l'office de tourisme de Beaumont, le magasin Proxy à Cherbourg et sur internet bien entendu. Avez-vous autre chose à ajouter ? Non, on espère que vous viendrez nombreux à notre festival.